Ah oui, volontiers. Ah, merci. Et moi alors? Je suis désolée. Hein. Allez, donne. D'accord. Merci. Mamie, pour toi, c'est quoi être reconnaissant? On est reconnaissant lorsque l'on se souvient du bien qu'une personne nous a fait et qu'on remercie cette personne pour cela. Est-ce que la reconnaissance, c'est la même chose que la gratitude? Oui, Mathéo. Dans les deux cas, on dit merci à quelqu'un pour un bienfait. Donc, merci, ce n'est pas seulement un mot de politesse. C'est bien plus que ça. C'est montrer à l'autre qu'on apprécie ce qu'il ou elle a fait pour nous. Est-ce que dire merci à quelqu'un, ça va vraiment lui faire du bien? Dis-moi, mon garçon, comment te sens-tu quand quelqu'un te dit merci? Je suis content. Donc, tu as la réponse à ta question. Attends, mon ami, moi j'ai une autre question. Mm-hmm. Est-ce que les fruits peuvent être reconnaissants? Parce que hier, papy m'a dit qu'il a mis des rames pour les maracujas. Mais des maracujas quoi? Et qu'il devrait lui dire merci. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est parce que le maracuja est une plante grimpante et qui se développe mieux grâce aux rames. Papy apprécie beaucoup ces fruits qui sont riches en vitamines C et A, en protéines et en minéraux. Ils renforcent l'immunité et aident à combattre l'hypertension et aussi l'asthme, le diabète et le cancer. Et surtout, les maracujas étant les fruits les plus riches en fibres, ils améliorent le transit et nettoient le côlon. Mamie, est-ce que dire merci nous aide à rester en bonne santé? Quand on dit merci à une personne, on la rend heureuse. Et on est heureux à son tour. Et bien sûr, on se porte mieux. Il y a même une étude qui a montré que les personnes qui savent dire merci était en meilleure santé. En fait, merci est un mot puissant qui ne fait que du bien. C'est un tout petit mot qui a de grandes vertus. Nous pouvons l'utiliser sans modération pour exprimer notre reconnaissance chaque fois que quelqu'un nous fait du bien. Et c'est aussi valable pour Dieu. Nous avons plein de raisons de lui dire merci. C'est un peu comme les maracujas. Les rames représentent les bénédictions de Dieu et les fruits qu'il donne sont les remerciements. Bravo, Esther. Et on pourrait aussi dire que les rames sont papa, maman, mamie ou papy. Et remercie Dieu de nous les avoir donnés. C'est bien vrai, les enfants. Dieu nous bénit sans cesse de différentes manières et il apprécie bien notre reconnaissance. Et si nous faisions une prière de reconnaissance? Très bien. Seigneur, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu nous donnes. Amen. Amen. Tu grandis, une maison nous invite et nous repose. Des jouets de jeu qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que des joies toute ma vie explose. La 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 la.